Toi qui écoutes cette vidéo, sûrement que tu prépares une fête. Ben, si tu y ajoutes de la danse traditionnelle, ça va être ton meilleur party à vie! Voici d'autres mouvements de base à maîtriser. En plus des mouvements de swing, ronde et promenade vus dans la vidéo précédente, faut savoir changer de partenaire, alterner main droite, main gauche et aussi faire des crochets. Changer de partenaire. Le changement de partenaire. C'est tout simple et c'est très plaisant. Ça permet d'aller danser avec les autres personnes qui sont dans la danse. Alors, quand on commence la danse, on est avec quelqu'un. C'est notre partenaire. Quand on veut changer de partenaire, on se tourne vers son voisin, l'autre personne, dans le fond, qui est à côté de nous. Et puis, bien, on swing avec. Puis quand on fait ça plusieurs fois, quatre fois, quand on est quatre couples, eh bien, ça fait qu'à la fin, on revient avec son propre partenaire, celui du début. Alterner main droite, main gauche. Le main droite, main gauche. Alors, ça aussi, c'est pas très, très compliqué. On se tourne face à son partenaire, on se donne la main droite, change de place. À la main gauche, revenez. Et voilà! Crochet. Donc, face à son partenaire, on place notre bras droit en crochet, on fait un demi-tour, on place notre bras gauche, on revient chez nous. Voilà! Avec tout ça en tête, l'envie de reprendre danser? Clique sur la vidéo pour caler une variante de la bastringue et mettre ces mouvements-là en pratique.